Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout. Donc nous nous étions quittés sur l'épisode précédent avec la perte d'un de mes... Enfin de mon dernier compagnon d'ailleurs, Tycho. Donc une perte surtout en termes de mule plutôt qu'en termes de puissance de feu. Donc on avait découvert un nouveau point d'entrée je pense sur ma map monde, à savoir un laboratoire secret. Et enfin donc dans un endroit où il y a des trolls de bestioles. Mélange entre des plantes, tout ça, avec des mutants, etc. Donc cet endroit me semble être un peu bizarre. Donc on va essayer d'approfondir un peu l'investigation. Encore... Donc là il y a du super mutant. Savant fou endormi. Ok. On va essayer de dégommer le super mutant d'abord. Ça c'est bien joué. Donc on a quand même un abri qui est quand même assez glauque avec de la substance un peu bizarre partout là. Substance collante. Ce que je vais faire, c'est que je vais les attendre gentiment qu'ils viennent vers moi. J'ai une bonne distance de tir. Ils sont sur du minigun. Donc bon, je devrais pouvoir m'en sortir, je pense. Qui me semble être un peu avec une arme un peu différente. Voilà, quand ça se passe comme ça, honnêtement, j'adore ça. Hop! Allez, le prochain, qui c'est le prochain? Chez coquin. Alors, tu veux jouer à ça? Ouais, moi je tire du verre. Eh ben. Et t'as perdu, bonhomme. Eh ouais. J'espère juste qu'ils vont me lâcher de la munition en fait. J'attends. J'ai une super armure, mon coco. On peut looter ce qu'il y a ici. 2000 points d'expérience, ça c'est top. Tu veux, hein? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à prendre. Fichier de données intéressant concernant une base secrète. Ok, mais ça j'avais déjà. Ok, on va recommencer ici aussi. Ok, des choses qu'on ne connaît pas. Toujours pareil. Ok. Je pense que bon. Bien de l'humanité. Il faut pas que ce genre d'expérience se reproduise. Clé savant fou. Voilà. Faut s'en débarrasser quoi. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Je me débarrasse des ordures. Est-ce que pour avoir fait ça quand même, faut en tenir une couche. Yeah.
pas beau, il arrive. On va l'accueillir comme il se doit. Bienvenue, bienvenue. On tire dans les yeux d'abord. Sergent super mutant. Un coup ici, ensuite, puis un coup là. J'ai arrêté. On se fait un petit steam pack, tranquille. T'as une arme qui tire du vert, toi, dis donc. Je t'en ai pris 38. Ok. Tu vas t'en prendre 39. Crop. Et encore un petit steam pack. Pas bien quand tu utilises des steam packs. Je t'en remets un coup dans les yeux. Oh putain. Comment ça, je rate? Je suis à 4 mètres, je rate quoi. Bon. Fais gaffe quand même, merde. Oh yeah. Ça c'est trop bien. La munition, la munition. Des bouquins, des bouquins. Des bouquins, des bouquins. La munition, la munition. Oh, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Donc nous allons étudier ça quand je peux en. Passe jaune. Alors, ça me permet d'apprendre des choses. J'ai appris une nouvelle méthode de soins, ce qui est très bien. Et est-ce que j'apprends des choses à réparer? Ouais. Est-ce que ça va me permettre de prendre ça? Oui. Très bien, très bien, très bien. Tout se passe très bien. J'ai tué tous les méchants, qui c'est ça? Tu ne peux pas y aller. Il y a un champ gravitationnel. Ça par contre, comment est-ce qu'on fait pour virer un champ gravitationnel? D'ailleurs, des générateurs certainement. Et là, c'est qui c'est bien. Essayez de voir ici y a quelque chose. C'est verrouillé. Voleur. Toujours verrouillé. Voleur. Toujours verrouillé. J'ai dit voleur. Ah non, merde. Putain. Hop, j'ai dit passe-partout. Un mec qui s'obstine. Voleur. Passe-partout, bien sûr. Passe-partout. Oh, de l'argent. J'aime l'argent. Hop, on pique dans la caisse. C'est verrouillé? Passe-partout. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une armure, ouais. Je crois que j'en ai une armure qui t'a mis. Ouais, non, d'accord, c'est toujours pas sûr. De là, qui c'est? C'est pas important, mais c'est toi qui décide. C'est quoi ces fous? Et eux là, qu'est-ce qu'ils font ici? Jason est un dieu vivant, seuls les annulés, oui, peuvent passer. Annulés?
serait pas ces machins que tu portes qui limitent tes capacités psychiques? Oui, les murs portent ceux qui les ont habités. Il y en a donc comme toi dans le mur? La rencontre de l'âme soudée pour protéger le maître de tout. Je vois, comment me protéger contre les protecteurs du maître? Il n'y a que la paix. Bon, il faut que je me donne à vous. Où est-ce que je peux trouver un de ces annulateurs? Je dois te bénir, je dois te donner ce que je ne veux pas. Bénir? Bénir, bénir avec quoi? Fin de la mort. Oh, t'as un peu starvé, toi. Elle fait des sympas. Arrête! Cela, ton sang, je le ferai couler rouge. Attends une minute, le sang est rouge. Comment je pourrais faire couler rouge? Difficile, il faut que je réfléchisse. Attends. Ouais. De quoi tu parles? Seuls les puissants peuvent passer, mais ils en seront empêchés. Parfaitement. Pouah, si je m'écoutais. Ils font un peu peur quand même. Ils seraient capables de tuer. Allez. Je sais que ça va être terrible ce que je vais dire, mais. Ce que je vais faire plutôt. Et je pense qu'il y a un moment pour le salut de la terre. Ça va être la peine de mort directe. Parce que là, ils sont complètement barrés là tous. Bon, ça va se retrouver dans le désert, à piller, à tuer. Après, j'aurai la mort d'enfant sur la conscience et. Ça je ne veux pas. Et tout. Ah tiens, je pourrais essayer de faire le super coffre. Je suis désolé Lucie, mais enfin, tu meurs quoi. Complètement je t'armais quoi. Donc il y a un moment, hop, c'est la fin. Gideon, ça va être la même chose. Faut pas qu'on essaie de nous faire croire qu'ils seront récupérables quand même. Là, son cousin est mort. Le prochain. Ah, plus de munitions. L'unité. Et ouais, l'unité. Il est costaud. C'est l'unité que j'aime bien. Un semblant de paix. Tiens, annulateur psychique. Ah, c'était complètement starbé. Quoique, peut-être qu'en leur enlevant le truc, ça serait peut-être vivant encore. Tant pis. J'ai vu ça tout à l'heure. Tu veux que ça brille? Enfin, alors, le truc. What the fuck? Alors là. Ouais, bah, je vais tous les tuer. C'est affreux, quoi. Pas de pitié quoi. Pas qu'ils s'en sortent quoi. C'est quoi, c'est fou.
de mourir. Belles petites armes. Très bien, très bien. Bon, bah, ce niveau a été nettoyé. On va descendre un petit peu plus bas. Peut-être juste m'en mettre un peu de vie quand même. Alors, ça, c'est le téléphone. Donc de se remettre à full vie et puis on est parti. En bas pour le dernier niveau de cet abri. Faut voir un peu ce qui s'y colle. Oula. Oula. Oula là. Sauvegarde. Là, c'est un peu chou du chou chou chou. Ah ouais, mais les robots aussi, quoi, ils sont contre moi. Pas moyen de trafiquer ça, quoi. Putain, j'arrive à rater. Ouais, ok. Parce que là, je crains que s'ils viennent tous, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Waouh, mais c'est un truc de ouf. Tous entendus. Donc ici je peux peut-être me servir des robots. C'est peut-être une possibilité. Faut vite que je vois. Je pense pas que je vais avoir beaucoup de temps. Elle utilise un super steampack. Vicieux, il s'appelait. Ouais, j'ai l'impression que même civil. Ah bon. Je sais pas trop ce qu'il y a ici, quoi, en fait. Tu vas souffrir. Vachement souffrir. Je sais pas trop ici ce que c'est. Pas l'air de bouger. Je me demande si je peux pas les contrôler. On va voir. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux si j'étais pas en combat. On va aller voir. On va voir ce que ça donne. C'est un ordinateur. D'accord, très bien, merci. Bon, alors ce que je pense que je vais faire, je vais charger l'autre juste par curiosité en fait, parce que je sais que là je pourrais clairement m'en sortir face à tout ça, donc c'est clairement juste par curiosité, voir si je peux activer les robots. Ça va être clairement possible. Ok, bon, il va ici en fait. Ok, je vois rien d'inhabituel. Est-ce que si je fais science, est-ce que
qu'à mon avis, ils sont pas là pour rien. Tuer cet humain. Oh fuck. Que si en fait. C'est pas possible. Bon bah non. Donc ça m'intrigue quand même. Là par contre, je pense que je vais prendre cher ma race. Quelque part, ouais, je suis pas leur ami. Ouais, même là, je pourrais tous les tuer si je veux quoi. Ok. Donc voilà, donc cette sauvegarde verte, on va pouvoir maintenant s'attaquer aux choses sérieuses. Yeah, beau gosse. Ouais, bon, évidemment, ça a réveillé un peu les autres. Donc ici il y aura autre chose encore. C'est une espèce de labo. Moi je pourrais avoir un max de cellules par contre, ça c'est cool. On va l'attendre encore une fois. Tout ça, oui. Et puis il a été bloqué en fait ici. Qui on ira par un, quasiment. Que ça va débiter du mutant. Ouais. Ça m'intrigue quand même un peu. Quelque chose à faire, mais. Pas totalement compris. Okay, le prochain s'il vous plaît. S'il vous plaît le prochain. On demande le prochain. Je suis pas sûr que tu sois le prochain. Parce que clairement je passe. Très bien, bah écoutez, on va recharger. Ah, il est un peu plus intelligent que les autres. Plutôt que de se paquer. Hop, hop. Voilà. Future victime. S'il vous plaît, 2, 3, 4, 5, 6. Comme son prédécesseur. Ça ne l'a pas tué. Super Steam Pack. 4 fois.
juste extraordinaire d'être capable de se tuer comme ça. Donc voilà, surtout même quand il y a beaucoup d'ennemis, l'essentiel c'est de surtout pas paniquer. On reste dans son coin, on les attend, surtout quand on est équipé comme ça, on peut se le permettre. Après je dis pas avec une armure beaucoup plus légère de faire autre chose. Donc là je vise d'abord lui parce que j'ai cru voir qu'il avait une arme un peu plus costaud que les autres, qui risquerait éventuellement de me faire un peu mal. Bon, le minigun, je sais que ça me fait quoi, 10 points au max. 10 points, ça je peux gérer. Lui, il a aussi une arme que j'aime pas trop. Un coup dans les yeux. Et à son cousin dans les yeux. Apparemment, les yeux, les mutants, ils aiment pas trop. C'est bien fait. C'est un coup qui peut faire mal. Voilà. Je vais pouvoir sortir de combat. Alors, on va commencer à loot un peu. Récolter les fruits. Ah, classe d'avance flamme probablement. Ah, ça, je prends par contre. Ça, je prends aussi. Oh, c'est quoi ça? Laser Gatling. Oula, alors là. Ça va être considéré comme une arme lourde, je pense. Écoutez, je laisse ça là, je reviendrai plus tard de toute façon. Jamais je suis en manque d'argent, je sais où aller. Ça, on va tout donner ici, tout donner là également. Parce que ça m'intéresse pas. Du coup, vicieux, là, il avait quoi? 4 super steam packs, ça par contre, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Toujours. Il n'y a que des voleurs chez les super mutants, ma foi. Tout fermé à clé. Donc ça m'intéresse pas. Passe partout. De la grenade, je l'utilise pas trop. Et je peux monter les compétences en explosifs notamment. Ici, ça par contre je prends beaucoup. Bon, ça doit peser une tonne, alors pas que ça puisse passer. Ça, ah ouais, merde, du coup j'ai mis les trucs chez eux. Les steam packs aussi qui doivent prendre maintenant. Faut que j'aille rechercher des armes, des munitions MEM pour un fusil sniper. Sinon je vais avoir quelques soucis. Quoique, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et maintenant j'ai quand même fait pas mal le plein. Munitions. Bon, écoutez, hop, on va continuer comme ça pour le moment. On va finir de nettoyer la zone. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment très très bon. Donc on va looter un peu ce qui reste des corps. Non mais c'est extraordinaire honnêtement. Je regarde pas d'être venu, j'étais en rupture de stock tout à l'heure. Là hop, tout est remonté. Donc sachez que si vous recherchez également des munitions pour votre plasma, c'est ici que ça se passe. Ok, hop. Je prends quand même ce qu'ils ont collé sur les murs, c'est quand même un peu dégoûtant.
qu'ils viennent, ils peuvent venir, je les attends. Enterrons cette crapule. Toi, tu peux t'accrocher, mon coucou. Dommage. C'est pas toi que je visais. Mais c'est pas grave. Le résultat est le même. Ouais, ça m'interpelle, j'ai envie de dire. Ah, et ça fond bien quand même. Qui ça? Technicien. Hop, super steam pack. Oh, ça c'est top des super steam pack. Super steam pack, je prends. Bien sûr, je prends. Ah. Du coup, je prends pas. Discuter. Il avait une arme, il avait deux armes. Plus personne d'hostile, c'est doucement les hostiles. Très bien, on va essayer de voir si on peut apprendre 2-3 petites choses. Si j'ai l'impression que tu peux apprendre qu'une chose par... Wouah, comment c'est gore. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici quoi? What the fuck? Tu commences à saigner du nez, tu entends des voix, elle t'appelle, tu perds la vue quelques instants, mais tu reprends connaissance. Sauvegarder. Parce que là, ça me paraît un peu bizarre quand même. Une voix t'appelle, tu tournes la tête et tu vois l'image d'une amie oubliée, certainement morte. Des vers sortent de sa mâchoire en décomposition, tandis que des maux de tête s'intensifient. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? En même temps, il y a la curiosité qui me pousse. Continue? Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de plus en plus de mal à avancer. Ton pied semble le fixer au sol. Tu vois la chair. Ronge tes genoux, tes maux de tête sans pire. Ok, on te cache de là, s'il te plaît. Wouah, c'est quoi ce truc de ouf? Si je fais un truc comme ça. Juste pour tester, j'ai récupéré plein de Steam Pack. Quelque chose attire ton attention. Un éclair venant du plafond, un éclat d'os, te transpire. Avec lui te viennent des pensées de mort et de torture. C'est sympa. Hein. Tes maux de tête deviennent intolérables. Tu sens les péchés d'autres esprits balayer ton âme. Et cela empire tandis que tes péchés leur répondent. Tels des fous, ils s'affrontent dans ton psyché et peu à peu le processus broie ta personnalité. Wouah, c'est quoi ce truc de ouf? Ta tête vibre à la cadence de l'intrusion des pensées des autres esprits. La douleur s'intensifie et vient comme par enchantement, elle disparaît. Tu tombes à terre et tu pleures. Mais quelque chose ne va pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Cette merde là. Dégage-moi ça.
Bon, ça j'ai raté. Ça va être ça le maître. Putain, c'est pas possible que je rate autant. Oh, il est sorti de lui. Oh fuck! 328 points de dégâts. Wow. Et rebonjour, donc en fait j'ai eu un souci d'enregistrement, je reviens rapidement en arrière. Donc je vous avais quitté sur ma mort terrible. Donc en gros, du coup vous avez pas vu le. Je vais vous réexpliquer rapidement le boss. Donc le boss est bien mort. En fait, donc il faisait pop tout le temps ces genres de mobs. Donc je pensais que ça allait mettre un certain temps. En fait, ça s'arrêterait. En fait, pas du tout. Il semblerait que c'était les deux petits mobs qui étaient sur les côtés, donc qui géraient le pop. Donc une fois eux détruits, après c'était assez simple. En fait, je me suis mis dans l'angle ici pour à la fois les attirer eux pour pouvoir les tuer. Donc j'ai mis du temps quand même avant de comprendre. Et encore, j'ai compris quand je les ai tués en fait. Et après, ce qui est assez simple, c'est de rester caché là, de faire un pas là, de tirer, de revenir se cacher en fait. Du coup, ça réinitialise puisque lui il dispose de mini laser, donc vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Et donc voilà, en vous cachant, en revenant, en fait, ça permet d'éviter les coups. Donc je suis vraiment désolé que l'enregistrement ait fail en fait. Et entre temps, donc j'ai fait une sauvegarde de ma partie ici en fait. Donc c'est pour ça que vous avez raté le combat, donc un combat qui a duré près de une bonne quinzaine de minutes. Surtout dû au fait que j'ai compris par la suite qu'il fallait tuer les espèces de deux capteurs sur le côté pour pouvoir s'en sortir en fait, voilà, tout simplement. Mais bon, je l'ai bien tué moi-même, pas de problème. Donc hop. Donc là en fait, une fois que je l'ai tué. Un compte à rebours, alors pareil, j'ai appris le compte à rebours complètement par hasard en voulant voir sur l'ordinateur s'il n'y avait pas des informations complémentaires. Et donc j'ai vu ce compte à rebours en train de se mettre en place. Donc là clairement, bon bah je sais plus ou moins ce qui va se passer par la suite, donc je vous laisse quand même la surprise. Parce que j'ai déjà passé en fait cette partie du niveau. Mais voilà, donc vraiment désolé encore une fois, je sais pas pourquoi ça a pas marché. Et en même temps, désolé également d'avoir sauvegardé sur une save pré-boss, j'aurais dû la garder de côté. Bah écoutez, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. C'était quand même un boss assez particulier et qui. Enfin, ça fait un peu plaisir d'avoir un peu de diversité dans le boss, puisque jusqu'à présent c'était, on va dire, un monstre, enfin un mob, un humanoïde qui tapait plus ou moins fort avec une arme, sans pour autant une grosse stratégie, savoir se placer où il fallait pour éviter les coups. Là je trouvais ça quand même beaucoup plus intéressant, de par le fait donc de ces deux petits robots sur le côté qui faisaient pop indéfiniment. Ouais, j'ai vraiment cru, je vais pas dire jusqu'au dernier moment, mais j'ai vraiment cru qu'en fait, voilà, ça allait s'arrêter à un moment, il pouvait plus en produire. Mais en fait, voilà, si vous le défoncez les deux petits sur le côté, à moins que ce soit un effet complètement fortuit, c'est-à-dire que je les ai tués au moment où le truc s'était épuisé, quoi. Mais voilà, je vous conseille fortement de les tuer en début de combat, pour éviter tous ces pops là. Ensuite, vous vous mettez à droite, à gauche, derrière le pilier, et vous profitez du fait que vous avez... Si vous avez fait à peu près la même chose que moi, on va dire l'avantage au niveau des points d'action beaucoup plus faible. Ce qui fait que vous pouvez avancer, tirer, repartir, etc. sans vous faire toucher.
Et donc là, on se casse rapidos. Je laisse profiter. Et voilà, on n'en parle plus de déjà. Hop. On retourne là-haut. Tu es un centre-ville métropole. On va aller au centre-ville. Ah, ça c'est fait déjà. Bon bah écoutez, voilà, bah, la vidéo avait duré un peu plus longtemps, du coup je vais la raccorder à celle précédente pour avoir une continuité. Puis bah, ce que je vous propose du coup, c'est que là c'est bon, tu peux bien enregistrer, de sauvegarder ici, et de se retrouver donc pour la suite de ce playthrough. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser des commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine, ciao.